Et voici le troisième mois de mon challenge pour savoir s'il est possible de gagner aux courses de chevaux. Pour info, je mise désormais 8 euros par course, ce qui est bon signe pour celles et ceux qui suivent mon challenge. J'ai commencé avec 4 euros de mise et j'ai parié quand même plus de 4000 euros le mois dernier en augmentant mes mises de base. Mais avant de commencer, une petite histoire car j'aime l'histoire. L'histoire de Monsieur X qui a fait trembler le PMU. Je vais vous parler de Monsieur X, alias Patrice Desmoutis, aristocrate normand, âgé de 38 ans en 1958, date des premiers faits publics. Il a fait vaciller le monde des courses de chevaux et notamment le PMU. Diplômé de l'école centrale, il est employé dans la gestion des risques pour les compagnies d'assurance. Un ami lui parle du PMU et notamment du jeu du tiercé. Il cherche à comprendre ce jeu, l'étudie et trois éléments l'interpellent. Le montant des gains, les prélèvements modérés et les anges morts. Dès lors, il cherche à mettre en place ses techniques de gestion de risque. Il applique dans son travail, mais désormais sur les courses hippiques. Il élabore une stratégie qu'il affine durant l'été 1958 avec des mises modestes pour s'assurer qu'elle fonctionne. Sa stratégie s'appuie sur le théorème de Bayes pour optimiser les probabilités de gagner. Ce théorème est de déterminer les probabilités qu'un événement arrive. En choisissant ses courses, où le nombre d'anges morts est élevé, il maximise les probabilités que ses chevaux arrivent. Ces anges morts ou perdants sont aux courses des chevaux dont les entraîneurs ne veulent pas arriver ou qui sont surclassés, par exemple. Officiellement, il joue son premier tiercé le 11 novembre 1958. La stratégie qu'il utilise est finalement simple. Sur une course de 17 chevaux, il place en tête de sa sélection la favorite de l'épreuve, Messenia, et décide d'éliminer quand même 9 chevaux, qu'il estime n'avoir que peu, très peu ou aucune chance. Ce sont donc les anges morts, si vous vous souvenez d'un des trois éléments qui avait interpellé Patrice Desmoutis. Et pour revenir au tiercé, eh bien, il lui reste alors 7 chevaux, qu'il va jouer, mais pas en base, mais en complément du favori. Le premier favori en tête, il fait des combinaisons ensuite avec ses 7 chevaux sur la deuxième et la troisième place. Il joue les deux ordres possibles pour toucher le tiercé ordre. Il joue cher car il joue 35 fois la mise de base pour chacune de ses 42 combinaisons, soit un enjeu financier total à l'époque de 294 000 anciens francs. Car oui, à l'époque, on était en francs et même en anciens francs. Et quelle fut l'arrivée de la course? Bien entendu, la favorite Messenia gagne, suivie des deux chevaux par Monsieur X parmi les 7 chevaux de complément. Il gagne donc le tiercé 35 fois dans l'ordre et 35 fois dans le désordre, soit 5 millions d'anciens francs. Il touchera même une cagnotte supplémentaire de 22 millions supplémentaires. Sa légende est lancée, mais aussi le début de sa perte. Les mois qui suivent, eh bien, il améliore sa méthodologie en ciblant les courses qui sont intéressantes à jouer. Oui, ces courses où un certain nombre de chevaux n'ont pas ou peu de chances d'arriver, y jouent de plus en plus cher. Il va jusqu'à parier des montants de 80 millions de francs, soit 120 000 euros quand même. Ses gains s'élèvent maintenant à centaines de millions de francs. Le 14 juillet 1961, il enchaîne avec un tiercé qui touche 500 fois dans l'ordre et 2500 fois dans le désordre, soit 200 millions de francs pour un enjeu de 60 millions. Le PMU s'aperçoit des gros gains de Monsieur X et va commencer à prendre des mesures. Le PMU s'inquiète de ce Monsieur X qui risque de déstabiliser les paris hippiques et de faire fuir les petits parieurs. Le PDG du PMU de l'époque, André Carus, demande à Marcel Boussac, riche industriel, éleveur de chevaux de course et propriétaire du journal Paris Turf, d'intervenir. Les deux protagonistes élaborent même une stratégie pour mettre fin à l'expansion de Desmoutis en limitant les mises du tiercé et donc de ne plus pouvoir miser plus de 25 fois le même pari sur un même ticket. Desmoutis
Eh bien, il trouve la faille en jouant simplement plusieurs tickets. Et en novembre 1961, Monsieur X remporte à Auteuil la somme de 5,4 millions de francs pour un enjeu total de 4 800 francs. Le PMU désormais limite à 25 fois la mise pour un même parieur sur l'ensemble des tickets joués. Et que fait Desmoutis? Eh bien, il mise une combinaison de 25 fois dans un bureau de PMU, puis 25 fois dans un autre bureau, et ainsi de suite. Le PMU est encore en échec. Desmoutis gagne plus de 492 millions de francs la même année. Le PMU limite à nouveau les mises à 60 nouveaux francs par joueur et par tiercé, quel que soit le nombre de tickets et de sites PMU utilisés. Desmoutis pense trouver encore la parade en faisant parier des amis à sa place. Le 7 décembre 1962, pour le prix de Bordeaux, le célèbre prix de Bordeaux, 83 joueurs jouent la même combinaison à travers tout le pays. Les gains s'élèvent à 4 millions de francs. Petit problème. Parmi les parieurs, il y a des repris de justice et il y a aussi le beau-frère et le tailleur de Patrice Desmoutis. Le PMU tient sa revanche et Desmoutis a enfreint la loi en utilisant des hommes de paille qu'il connaît donc. Les tickets ne peuvent pas être touchés et un dépôt de plainte pour tentative d'escroquerie est effectué contre X pour violation du règlement du PMU. Et le surnom de Monsieur X vient de là pour la petite histoire. Desmoutis revient sur le devant de la scène en 1973 avec une affaire de paris truqués. Des jockeys sont accusés d'avoir fait une fausse course pour en faire bénéficier Patrice Desmoutis. L'affaire va en justice et Desmoutis est écroué à Fresnes le 21 février 75 pour 142 jours de détention préventive. Mais il sera relâché faute de preuves. Ce nouvel épisode fait vaciller encore plus l'homme. Le 17 octobre 75, il sort de prison et se suicide chez lui. Son fils se suicidera lui aussi peu de temps après. Retour à mon challenge. J'ai commencé ce challenge avec 400 euros de bankroll et 4 euros de mise. La méthodologie et tous les détails sont dans mes articles ou vidéos précédentes, je n'y reviens pas. Les résultats se font mensuellement pour des soucis de clarté et de simplicité. Octobre donc 400 euros de capital de départ, en novembre j'ai atteint les 794,36 € et en décembre 1076,38 €. Donc bénéfice net depuis le départ 676,38 €. J'ai eu vraiment de la chance sur ces derniers mois et même un peu avant car la bankroll de septembre était de 80 €. Mais le capital initial retenu pour le challenge est de 400 € comme énoncé depuis le départ. Alors nombre de courses jouées 292 au lieu de 262 au mois de novembre. J'ai parié en moyenne 7 courses par jour. J'ai donc investi près de 2 000 € durant ce mois de décembre. Ce qui est pas mal. En nombre de gagnants, j'en suis à 48 au lieu de 36 au mois de novembre. C'est une belle progression. J'ai eu en moyenne 16,4% au lieu de 13,7% 7% de gagnants donc le mois précédent. En rentabilité, voilà donc le chiffre le plus important pour moi que j'actualiserai là aussi tous les mois. Sur 292 courses à une mise unitaire de 1, j'ai fait plus 53,29. La rentabilité est donc de plus 18,25% pour le mois de décembre. Et pour le mois de novembre, si vous en souvenez, j'avais fait plus 104,38 sur 262 courses et plus 39,8%. Le total des deux mois donne 554 courses jouées pour plus de 157,167, soit plus 28,4% de rentabilité. 3, c'est le nombre de victoires d'affilée. 23, c'est le nombre de courses sans gagnant. J'étais à 35 le mois dernier. Je pense que j'ai été plus prudent avec ce challenge que je veux réussir et c'est pour ça que j'ai moins d'écart. Ça me fait là aussi réfléchir à comment améliorer aussi la stratégie. J'ai joué dans cette course que vous voyez. Tous les mois, je montrerai dans les vidéos de ce challenge mon plus beau gagnant du mois. Ah, que ça fait plaisir quand même d'avoir un gagnant à plus de 10 contre 1. Et là, c'est un beau 20 contre 1, donc j'ai gagné 20 fois la mise, car c'est du jeu simple gagnant.
sur lequel je joue. La méthodologie, comme je vous l'ai dit, c'est à revoir dans les autres vidéos ou articles de mon blog. Alors là, cette course-là, il y avait quoi? Il y avait Grand Villèze Bleu. Eh bien, elle avait mal couru la course précédente et elle n'était pas déférée. L'autre favori avait été disqualifié pour allure, la course précédente lui aussi. Tout ça m'a fait dire que c'était une course où les outsiders pouvaient se faire la part belle. Et cela était le cas. J'avais donc choisi ce cheval, donc Homer de Fromentel, le numéro 1, qui était en forme et avait la valeur groupe 2 malgré ses petits gains. Si vous aimez ce concept de développer des analyses de course, dites-le moi en commentaire. Ben sinon j'arrêterai parce que sinon ça n'a pas de sens si ça ne vous intéresse pas. Je réfléchis toujours à comment améliorer ma méthode. Ma rentabilité a baissé alors que j'ai un meilleur ratio de victoire. Cela me laisse songeur et je pense modifier ma méthodologie à terme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et si ce sujet vous intéresse, eh bien, laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié, eh bien, il faut liker. Si vous voulez retrouver la vidéo, l'article justement, et le lire, eh bien, c'est ici, c'est sur mon blog Beerbull. Et sinon, je vous dis au mois prochain pour la suite de ce challenge.